Good morgen, allez, Daniel, tu seras aujourd'hui élève de Nishmat David Ben Fortuna, Mazal Fritna et Lucienne Batreina. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étions Masechet Nedarim, Perik Yudalef, Mishnah Chet. Amudar Anaam et Chatano, Vehu, Rotse la tête les bito Maot. Omer la, Ara Maot Aelu Netunim lach Bematana, Ubilvad Shelo Yehele Baalich Reshut Bahen, et la Mashat Noset Venoten et Befir. Je traduis d'abord la Mishnah, après on explique plus précisément, il y a quelques petites précisions à apporter sur ça. Amudar Anaam et Chatano, on parle d'un homme qui est interdit de faire profiter à son Chatan, à son gendre. Plus précisément, la phrase elle est tournée, que c'est pas le beau-père qui a dit à son gendre qu'il ne profitera pas de lui, mais c'est plutôt le gendre qui a fait le neder de ne pas profiter de son beau-père. D'accord? Maintenant, ce qui se passe, c'est que il fait le fier, là, le petit jeune homme, mais la fille du papa, elle est en train de mourir de faim, la pauvre chérie. Ou bien, elle a de quoi manger, mais elle n'a pas de quoi, elle a des chaussures trouées. Ou elle a une couverture un petit peu trop fine pour l'hiver. Alors, comment est-ce qu'il peut faire le père pour donner à sa fille? Parce que quel est le problème? Le problème, il est que tout ce qui appartient à la femme, ça appartient à la femme, mais le mari, il a un droit d'en tirer profit. Plus précisément. Si ma femme elle reçoit maintenant un héritage de son arrière-grand-père, et de plusieurs millions de ce que vous voulez, ce sera son argent, c'est pas le mien. C'est vrai. Mais malgré tout, c'est pas son argent pour faire ce qu'elle veut. C'est son argent qui est meshoubad à moi. Il est maintenant, il est mis à ma disposition pour moi, pour en tirer des fruits. En l'occurrence, on va acheter avec ça des appartements, des champs, puis on va les louer. C'est-à-dire que le keren, le capital, il appartient à la femme, et le mari, il tire les perrottes, le fruit, les fruits. D'accord? Donc, en l'occurrence, si jamais le beau-père, il va faire un cadeau à sa fille, en lui disant, ton mari, n'en profite pas, ben, ça sert à rien, parce que dès qu'elle va recevoir, ça appartient au mari, c'est pour que le mari, il tire en profit. Donc, comment est-ce qu'il peut faire pour donner à sa fille? Sur ça, la Michelle me dit, ben, il va dire, au maire, là, il va lui dire à sa fille, arrête à maot, allez, où voici cet argent-là. Netunimlach, ces pièces-là, Netunimlach bematana, te sont données à toi en cadeau, ou bilvad, mais à condition, que ton mari n'ait pas de droit dessus, et la machat noset venotenet befir, mais uniquement ce que tu vas faire comme transaction pour le mettre dans ta bouche. Phrase assez compliquée qu'il faut bien mettre le zoom sur plusieurs éléments. D'abord, un premier élément, avant d'introduire la Mishnah, on parle que du cas où le beau-père va donner de l'argent. Parce que si le beau-père donne à manger à sa fille, à n'importe quelle personne qui va donner à manger à ma femme, eh ben je ne peux pas venir lui arracher de la bouche. Tout simplement parce que j'ai un droit sur l'argent que ma femme gagne, mais pas sur la nourriture que ma femme va recevoir de personnes étrangères. Dès qu'elle va la recevoir, c'est pour elle. Ok? Ça, c'est tout d'abord. Donc, comme il y a marqué ici, donc, qu'il veut donner quelque chose à sa fille, c'est pas qu'il veut lui donner à manger, c'est qu'il veut lui donner des choses qui vont rester un capital présent avec une possibilité de fruits. En l'occurrence, de l'argent, par exemple. Alors là, la Mishnah me dit, ben, s'il veut maintenant recevoir, pour pouvoir, qu'il puisse donner à sa fille, donc comme on a dit, on a le problème que dès qu'il va donner l'argent à sa fille, le mari il a le droit d'en tirer profit de ses fruits, des fruits de cet argent. Donc comment est-ce qu'il faut faire? Alors, dire simplement, je te le donne à condition que ton mari n'ait pas de droit dessus, ça ne marche pas. Parce que ce qu'elle appartient, ça m'appartient. On ne pose pas de questions. C'est comme si, prenez un cas plus à l'extrême, j'ai un esclave. C'est une grande discussion en réalité dans Kiddushin. C'est relativement, partiellement évoqué ici, mais pour le moment, on va, selon d'après Rabbi Meir, que quelqu'un qui va donner l'argent à mon esclave, à condition que le propriétaire, le maître de l'esclave, il ne va pas en tirer profit. Ça ne fonctionne pas, ce qu'il reçoit ça à moi. Ouais? Vous allez même mieux que ça, je donner à manger à mon chien ou donner un beau cadeau à mon chien, et vous lui dites à condition que ça appartient pas à ton maître, ça m'appartient à moi, parce que c'est un bien à moi. Le même principe avec la femme, c'est pas vachement bien, mais c'est presque. J'ai des droits sur ma femme, ce qu'elle reçoit, c'est pour moi. Pas le capital, les fruits. Donc la solution c'est quoi? Il faudra dire comme ça, Ramot, Aelun et Tunim l'Arbematan, il faudra le dire. Cet argent, je te le donne à toi en cadeau, mais attention, je vais te faire des conditions. Alors regardez, il y a deux phrases dans la condition. Tout d'abord, à condition que le mari n'en ait pas de droit. Bon, on ne s'arrête pas là, parce que si on s'arrête là, ça ne marche pas. Ton mari n'en aura pas de droit, mais elle a mâché atnonset venantenet befir. Juste ce que tu vas dépenser et rentrer pour le mettre dans ta bouche.
phrase un peu bizarre, qu'il faut en fait expliquer comme ça. C'est expliqué longuement dans le RAN, je ne sais pas quel type de Mishnah vous avez sur vous, devant vous, mais le Sirael Tosfot Yom Tov rallonge énormément sur ça. Je vous dis directement la conclusion qu'il en sort, c'est notamment aussi rapporté dans le Tiferet Yisrael, dans le Melechet Shlomo aussi, que, et Tiferet Yisrael bien sûr, que concrètement, ça se passe comme ça. Le père, il dit à sa fille, écoute-moi ma fille, je te donne l'argent, je te le mets dans tes mains, mais pour que ton mari n'en ait pas de droit, cet argent que tu as, ça reste le mien jusqu'à que ça arrive le moment de le faire entrer dans ta bouche. Soit, tu fais ce que tu veux, si jamais tu veux acheter un mixeur, tu l'achètes, ça reste mon mixeur, et tu fais ce que tu veux, tu vas fabriquer du pain avec, et au moment de manger le pain que tu mets dans ta bouche, maintenant ça devient le tien pour que tu puisses le manger. Mais tant, tout ce que tu vas faire, ça reste le mien. Le mari doit garder un droit très fort, le père il doit garder un droit sur l'argent, un droit attitré sur l'argent, que l'argent restera le sien, même tout ce qu'on achètera et tout ça, jusqu'à que ce soit le moment de le mettre dans la bouche. C'est ce que la Mishnah insiste, Hachanoset notenet befir, jusqu'à que tu vas le faire dépenser, racheter, pour ensuite le mettre dans ta bouche. Imaginez qu'il va lui débrouiller un potentiel d'argent à faire un peu de transactions, de vendre et de racheter et tout ça, la marchandise, jusqu'à qu'à la fin elle va pouvoir manger. Tout ce que tu fais, c'est à moi. Le jour, quand ça arrive le moment de le mettre dans ta bouche, je te mets cet argent disposant pour que tu puisses, en fait, au final, le faire entrer dans ta bouche, quand ce sera le moment de le manger, ce sera le tien. Ok? Et s'il fonctionne pas comme ça, ça ne marchera pas. Finalement, si la fille, elle a froid et qu'elle est dans une couverture, ça pose problème. Parce que la couverture, en fait, c'est pas quelque chose qu'on mange. Donc, elle appartient encore au père. Bon. Alors, de nouveau, il va falloir expliquer que cette fois-ci, le père, il va lui dire, écoute-moi, ça reste... Comme ça, on va expliquer tacitement sa phrase. Il va dire, ce sera le tien, mais à condition que ton mari n'en ait pas de droit, mais uniquement ce que tu vas en tirer profit, il faudra interpréter sa phrase, cette fois-ci avec une couverture pour les vins, en disant, écoute-moi, la couverture, ça se la mène, je te la prête pour l'utiliser, à toi et pas à ton mari. Et là, maintenant, ça marche, parce qu'en fait, il s'avère qu'il n'a rien donné à sa fille, il a juste donné un droit d'utilisation de son bien qui reste dans la propriété du père. Précision quand même super importante. Cette fois-ci, le bâtonnant, il n'a presque pas parlé sur rien. C'est d'ailleurs pour ça que le Tosfot Yom Tov rallonge tellement. Mais il y a une chose qui est dit dans le bâtonnant, on va le mettre en exergue un peu, le comprendre un peu mieux. Parce que il y a un problème technique. Là, on parle que le mari, il n'a pas le droit de tirer profit de son beau-père. Bon, finalement, moi, je dois me donner à manger à ma femme. Et j'ai pas d'argent pour lui donner à manger. Pour pouvoir, maintenant qu'elle se nourrisse, je dois me casser la tête à partir avec pendant 5 heures pour gagner 18 shekels de l'heure. Pour pouvoir ensuite lui apporter un bon repas de viande. Si jamais mon beau-père, il va venir, il va faire cadeau à sa fille, un repas de viande, il m'a économisé à moi un beau cassement de tête. J'ai pas besoin de travailler pendant 5 heures pour aller acheter à manger. Donc finalement, quand il va donner à manger à sa femme, je vais quand même tirer profit de lui. Alors j'avais pas le droit de tirer profit de lui. C'est la problématique qui soulève le Bartanura. Le Bartanura, il répond à une notion super importante. On différencie dans la Torah dans plein de domaines. On l'a évoqué plusieurs fois déjà depuis qu'on a commencé les cours de Mishnayot, je ne sais pas où, dans Moed Katan, le manque à gagner et de la perte. Et là, c'est le même principe, mais un peu à l'envers. Le beau-père, il ne m'a rien apporté. Éviter un cassement de tête à quelqu'un, c'est pas lui apporter quelque chose d'actif, quelque chose de concret, de quelque chose de positif. C'est juste lui éviter que ça devienne compliqué. Mais c'est ce qui se passe. Si jamais le beau-père va donner quelque chose à la fille et que le mari va en tirer un profit concret, actif, positif, et quelque chose qu'il va voir en plus, même une utilisation, même, alors là, c'est interdit. Mais là, finalement, au final, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner à manger à sa fille, et grâce à ça, indirectement, le mari n'aura pas besoin d'aller se casser la tête par ailleurs pour travailler et leur apporter de l'argent. C'est pas un profit positif qu'il reçoit, c'est juste lui empêcher de casser la tête. C'est pas considéré comme un profit, et donc même s'il est Moudaranam et Chavero, il aura le droit d'en tirer profit de la sorte. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.